Oui, bonjour, bonjour tout le monde et merci, merci beaucoup d'être là avec nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver tous les dimanches comme d'habitude. Et merci beaucoup de votre fidélité. Nous aurons trois invités aujourd'hui. Trois invités qui vont nous parler, les deux, ils vont nous parler de ce qu'ils font, la promotion, on va faire la promotion de ce qu'ils font et c'est des jeunes qui osent, c'est des jeunes qui veulent faire que les choses bougent, c'est des jeunes qui travaillent et nous on aime ça, on aime les jeunes qui osent, les jeunes qui sont motivés, les jeunes qui travaillent, les jeunes qui innovent. Et ça fait partie de la culture du réseau des citoyens. Et nous encourageons beaucoup cela. Nous encourageons énormément cela. C'est pourquoi de temps en temps, on reçoit ces jeunes-là. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir. On va parler avec Jido, que vous connaissez très bien. Il est aux États-Unis et il fait les conceptions de t-shirts. Voilà, vous pouvez voir, hein, je l'ai sur moi. Alors, je suis très fier de porter cela. Ça, c'est un travail d'un Tchadien. Et un jeune, je l'ai dit. Et ça fait une fierté. Il sera là avec nous pour nous parler de ce qu'il fait. Nous allons aussi parler avec un autre Tchadien, un jeune de moins de 30 ans. Il est écrivain. Il est au Tchad en ce moment. Et ça, c'est aussi un jeune à encourager. Donc, nous le recevons. Il s'appelle Don Hébert. Et en dernière position, nous allons recevoir l'ancien ministre Bachir, que vous connaissez très bien aussi. Il va être là avec nous. Pourquoi? Parce que il y a un peu de. Il voulait voyager. On va vérifier ça avec lui si les versions sont vraies. Il voulait voyager en Égypte et qu'à l'aéroport, il y avait une interdiction de voyager. Et il aurait voyagé peut-être 3 jours après. Et il sera là avec nous. Il dit qu'il va nous expliquer les vraies versions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va lui poser des questions aussi. C'est quoi être un citoyen lambda? Quelqu'un qui a été ministre, il n'est plus ministre. Comment il mène sa vie? Donc, il va nous expliquer cela aussi. Alors, restez connectés. Bachir sera avec nous. Donc, merci beaucoup. Je vous dis bonne émission. Merci, merci beaucoup d'être là et partager. Hein, vous pouvez commencer à partager ça avec vos amis et ça nous fera plaisir que les gens suivent ce qu'on fait et c'est pourquoi ils interagissent avec nous. Alors partagez ce moment-là avec vos amis, vos contacts. Alors n'hésitez pas, faites-le sans modération. Et je suis donc en direct avec Dido Turki que vous connaissez très bien. C'est un jeune, un entrepreneur. Et d'ailleurs, merci, hein, je viens de recevoir son t-shirt. Il fait cela, il les vend au Tchad, il les vend en ligne, il les vend aux États-Unis, il les vend un peu partout dans le monde. Alors, comme je l'ai dit, on encourage beaucoup les jeunes entrepreneurs. Et lui, il en fait partie. Donc, il est ici avec nous pour nous parler de ce qu'il fait, comment il a commencé. Si vous voulez avoir ces t-shirts, comment vous pouvez les avoir. Alors, merci, merci beaucoup. Asseyez-vous confortablement parce qu'il y aura beaucoup de choses à débattre ensemble. Donc, oui, bonjour, Dido. Bonjour, Monsieur Migaud, bonjour. Oui, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme tu le sais, ici, au niveau du réseau de citoyens, on a cette proximité avec nos invités. Donc, on se permet de se tutoyer. Tu es un jeune de notre génération. Alors, on peut se tutoyer et Bien sûr, bien sûr, merci. bien sûr. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas bien, tu peux te présenter encore pour que les gens te connaissent davantage. Surtout les clients, ceux qui veulent avoir ton t-shirt.
Oui, merci, Migo. Avant tout, je salue toutes les compatriotes qui sont en ce moment en ligne avec nous, qui nous suivent actuellement. Et merci à toi, cher frère et compatriote Migo, pour cette opportunité de me recevoir sur cette plateforme qui nous réunit tous les Tchadiens. Cette plateforme dénommée le Réseau des citoyens. Merci beaucoup. Moi, c'est Elhadj Djido Touki Aliki. Je suis littéraire, gestionnaire, coach, acteur, penseur, conférencier, orateur et motivateur. Je suis un chef d'entreprise et je suis le PDG du Team Chad Clothing. Exactement, Résident actuellement aux États-Unis. Allez-y, résident actuellement aux États-Unis. Oui, donc Dans l'État de New Jersey. New Jersey, oui, c'est ça. Il est, Dans c'est pas loin de Montréal, c'est à 6h ou 5h30 de Montréal. Donc j'aurai la chance de te rencontrer. Je t'ai jamais vu et quand le jour où je Bien viendrai, sûr, ça ferait plaisir, bien sûr. oui, je te tiendrai au courant Les quand je hommes vais. se rencontrent, Migo, les hommes se rencontrent. Les Absolument. hommes se rencontrent. Surtout les hommes de belles initiatives se rencontrent toujours. Absolument, absolument. Mais écoute, tu fais des choses fabuleuses et c'est une initiative que moi personnellement j'encourage beaucoup et je tiens à te remercier pour le t-shirt que tu m'as envoyé, ça depuis les États-Unis, je l'ai reçu, c'est ça que je porte aujourd'hui, avec fierté d'ailleurs. Alors, Ça fait plaisir. oui, parle-nous de cette d'où ça sort l'idée. Est-ce que ça fait longtemps que tu as fait ça? Oui, l'idée avant tout, c'est une initiative patriotique. C'est une initiative patriotique avant tout. C'est le bleu, jaune, rouge. C'est le Tchad qui nous tient au cœur à nous tous. C'est l'amour de ces pays. L'initiative elle-même d'avoir les marchandises comme t-shirts, les maillots de foot, etc. La naissance a été juste récemment. Mais pour la motivation, c'est une idée que je l'ai depuis. Je suis un jeune parti de la motivation. Je me suis motivé pour être ce monsieur que je suis aujourd'hui. Super. Et pour motiver, je me suis rendu compte qu'il faut accompagner quelque chose pour vraiment faire l'accord de la motivation. Et mon souhait, c'est de motiver ma jeunesse tchadienne, ma génération, les générations aînées. Et puis, je me suis dit, bon, c'est ce que j'aurais comme initiative. Et je n'étais pas obligé de vendre les t-shirts ou maillots de foot, mais c'est accompagner la conviction de la motivation qui me tient au cœur de la jeunesse tchadienne. Ok, Voilà. mais j'ai le logo ici, hein, je le mets aussi sur l'écran, c'est Team Chad Clothing, donc tu, oui? Absolument, oui, Team Chat Clothing, oui. Oui, et tu ne fais pas seulement les t-shirts, hein, tu fais aussi... Oui, c'est pas juste les t-shirts. L'idée n'a pas été pour vendre des t-shirts et j'ai pas l'obligation de vendre des t-shirts. L'idée, c'est de motiver. Motiver parce que ça fait longtemps que je faisais des vidéos sur Facebook, Instagram. Je laisse des vidéos, je motive la jeunesse parce que je suis convaincu qu'avec la motivation, on peut faire de belles choses et de grandes choses. Donc l'idée est partie de la motivation. Après, je l'ai rencontré, l'idée avoir une marchandise de t-shirt, parce qu'il faut voir quelque chose pour se motiver. Et Absolument. donc c'était parti ainsi. Ben, c'est une très belle réflexion. Et je mets aussi les Merci. images, je mets les images là aussi. Je vois qu'il y a aussi des maillots de soccer, comme on dit ici en Amérique du Nord, ou bien le maillot de football. Tu fais ça aussi? Oui, je fais les maillots de soccer aussi, de football. Je les fais pour de différentes couleurs, bleu, jaune, rouge et d'autres couleurs aussi. Oui, certainement, je l'ai vraiment aussi porté lors du match Sao-Soudan. C'est la fierté, c'est la Ben oui, fierté, absolument. la fierté. Et nous faisons beaucoup d'autres. Et si les gens veulent acheter tes produits, là, le numéro, je l'ai mis là à l'écran. Au Tchad, est-ce que tu confirmes si le numéro est bon? C'est le plus 235 66 22 21 20. Est-ce que le numéro est bon? Oui, c'est le Parfait. numéro, c'est elle-même. C'est elle-même et nous avons aussi un deuxième numéro.
qui est le 6, 2, plus 235, 66, 27, 84, 83. Donc, c'est aussi une deuxième numéro qui peuvent nous joindre. Et c'est déjà partout, c'est déjà partout. Et j'encourage aussi ceux qui ne l'ont pas encore d'aller se ravitailler et de se motiver. Oui, pour encourager cela, moi je vous invite hein, à aller à N'Djamena, mais c'est dans quel coin à peu près? Selon ce que je vois, c'est pas situé, c'est situé à Oui, quoi? la boutique elle-même, le nom c'est Karama Shopping, c'est au grand marché central de N'Djamena. En face, le sultan Kachalla Kasser. OK. Oui, en face, le sultan Kachalla Kasser. C'est bien connu, c'est bien grand. J'espère qu'ils peuvent se rendre là-bas. Mais c'est ça, allez-y, l'adresse est là à l'écran aussi, le numéro de téléphone aussi là, vous pouvez appeler ou aller vous rendre directement au Grand Marché et puis aller chercher à Kachala, Kasser. Donc de là, vous pouvez trouver des gammes, des différentes sortes de produits. Comme il a dit, c'est motivant, c'est la fierté et porter la couleur de son de drapeau de notre pays, c'est une fierté. Et La fierté, bien sûr. Avant tout, c'est la fierté. Donc, vous pouvez aller vous en procurer cela. Est-ce qu'on peut aussi les acheter en ligne? Oui, vous pouvez aller sur Instagram. Il y a l'équipe qui peut vous répondre et parfois je peux vous répondre aussi. OK. C'est des États-Unis, c'est du Canada. Nous faisons aussi le shipping. Le shipping, elle est gratuite. Wow. Et vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous les transmettre. Et c'est du pays, ils vont se ravitailler à notre distributeur là-bas, au grand marché, en face, le sultan Kachalla Kasser. Super. Wow. Mais écoute, c'est très encourageant. Comme on a dit, appelez le numéro. On a mis Merci, le merci. numéro en ligne. Appelez ce numéro pour faire vos commandes. Vous qui êtes ici en Amérique du Nord, vous pouvez le faire. Il a dit, l'expédition est gratuite et la preuve, c'est prouvé. Il me l'a envoyé. Je l'ai trouvé. Donc, aux États-Unis, pour le Canada, ça dépend d'où vous êtes, mais c'est quelques jours, c'est pas long. Je l'ai reçu. Donc, merci beaucoup. Et pour l'équipe, bon, ça, c'est peut-être encore un détail, mais on avait reçu le coach Emmanuel Trégois. Il y a des gens il y a des, comment on appelle ça, des commerçants qui livrent. Les maillots de Sao et il était tellement déçu parce que c'est pas la bonne qualité, c'est pas la bonne couleur et je sais pas comment ça fonctionne. Mais est-ce que toi, tu fais le maillot, tu m'as dit, mais est-ce que tu peux, tu as mesure aussi de faire les maillots pour les Sao? Oui, bien sûr, Migo, bien sûr. L'initiative, elle est solide. Nous sommes en mesure de les faire. Elle est vraiment solide, l'initiative. C'est parti, vous pouvez voir sur notre page Instagram et sur notre page Facebook, Team Chat Clothing. Nous avons les spécimens là-bas. Et il y a aussi les échantillons que je l'ai portés aussi quand il y avait le match entre le Tchad et le Soudan. On est à mesure de les faire. Super. Mais on va regarder ça de près et s'il faut quelque chose de bonne qualité, de fiable, pourquoi pas? Donc on va rester plus près, continuer à voir ce qui se passe au Tchad là, les fournisseurs. S'ils continuent à fournir des pacotilles, écoute, moi je t'encourage, hein, il faut faire ta proposition. Merci, Fais merci, une merci beaucoup. soumission et puis si tu apportes quelque chose de qualité, pourquoi pas? Parce que c'est la différence est là, hein, c'est au niveau de la qualité. Donc, en tout cas, moi, je suis très fier de porter ce que je porte aujourd'hui et Merci. j'invite les gens à le faire. Alors, avant de te laisser partir, si est-ce qu'il y a un message à donner, à appeler les gens pour acheter, quel est le message fondamental à donner aux gens qui nous écoutent en ce moment? Bon, en fait, le message que je vais laisser, c'est pas le message d'aller seulement acheter des t-shirts ou bien des maillots de foot. Avant tout, je veux qu'ils s'inspirent. Qu'ils s'inspirent et puis qu'ils se motivent. Je veux vraiment que la jeunesse se réveille. En fait, nous sommes tous réunis autour de ces beaux pays, le Tchad, qui nous tient tous au cœur. Donc, j'appelle à la jeunesse de se motiver. Je ne vous appelle pas d'aller à mon dépôt d'acheter que les t-shirts. Achetez ça, inspirez-vous, motivez-vous Ouais. et marchez dans la convivialité,
Dites-vous que c'est possible. Et je vous assure que votre moment actuel, ce que vous passez actuellement, ce n'est pas la finalité. C'est juste des moments que vous passez. Donc, je vous encourage d'aller acheter, se motiver et être fier de ce pays. Absolument. Et je vois il y a quelques suggestions. Là, les gens nous suivent et il y a des gens qui commencent à faire des propositions. Il y a une personne qui dit que tu peux ouvrir un compte commercial sur Amazon. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Et sur Amazon, les gens peuvent aussi commander facilement parce que beaucoup de gens utilisent Amazon pour acheter des choses en ligne en ce moment. Et sinon, est-ce que tu as une vente en ligne, ta ligne à toi, où les gens peuvent commander? Oui, nous avons une vente en ligne au niveau du website et c'est facile. Je connais l'initiative Amazon aussi, c'est très facile aussi. OK. Mais nous avons au niveau de notre website qui est aussi accessible aux commandes, accessible qui peuvent commander en ligne. OK. Ouais. D'accord. Mais écoutez, on va mettre les liens aussi, Suivez-nous. oui. Oui, il faut que nous suivent sur Instagram, sur le website, sur la page Facebook aussi. Ben, je vais remettre encore le lien sur Instagram. C'est at Team Chad Clothing. Donc sur Instagram, vous pouvez voir les gammes des produits qu'ils font. Et sur sa page Facebook, sur la page Facebook de Chad Clothing, Team Chad Clothing aussi, vous pouvez aller visiter. Et on va mettre le lien là en permanence sur nos plateformes pour que les gens puissent aussi voir. Mais comme la sœur vient de le dire là, s'il y a moyen aussi de mettre, avoir un compte sur Amazon, c'est plus facile, c'est plus facile aussi. Ah, donc voilà. Mais écoutez, on encourage les gens de le Bon, faire, d'acheter, hein. Oui. merci pour la sœur. Si c'est facile, nous pensons aussi à cela. Et je vais me rapprocher de l'équipe. Nous allons aussi avoir une account au niveau de Amazon. Si, j'aimerais que ça soit accessible à tout le monde, que ça Absolument. soit facile de l'avoir, parce que c'est notre couleur qui brille. C'est notre couleur qui nous fait motiver. Et c'est notre pays qui nous tient au cœur. Donc, je rendrai ça accessible. Je vais discuter ça avec l'équipe aussi. Super. Mais écoute, bravo, hein, bravo, Dido, c'est pour le travail que tu fais. Merci. Lâche pas. Et comme tu es une personne motivée, et tu es une personne, la motivation, on le voit, pas seulement dans les commerces. Je sais, à chaque fois que je t'appelle pour préparer cette émission, je te trouve toujours au gym. Donc, tu es quelqu'un qui est très motivé. Merci. Donc, L'espoir, il le faut, hein? oh oui. L'espoir, il le faut. Merci. C'est bien, c'est mentalement aussi, ça aide beaucoup. Alors, on sait que tu es une personne très bien équilibrée. Tu passes beaucoup de temps aussi au gym, tu travailles. C'est Merci un beaucoup. modèle, hein, c'est un modèle que les jeunes doivent suivre. Au lieu de croiser les bras, rester devant la télé, attendre des miettes, lui, il a dit non, moi, je vais faire des choses. Il travaille quand même, malade. Et le secret de la réussite dans la vie, c'est le travail. Donc, merci beaucoup, Dido, pour tout ce que tu fais. Et on va suivre de près ton travail. Et bravo, lâche pas. Merci, merci de rien. Merci à vous, Migo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au Oui, donc revoir. c'était Dido, un jeune entrepreneur. Il fait des choses. Il vend beaucoup de choses en ligne. Et comme il vient de le dire, là, vous avez toutes les informations. Vous pouvez aller visiter cela pour vous ravitailler. Merci beaucoup à lui et bon vent. On lui souhaite bon vent. Et nous allons recevoir d'autres invités. Le jeune que je vous ai dit, vous allez le découvrir. Et il écrit des livres. Il donne aussi des formations. Et il est à N'Djamena. Il est à N'Djamena. Il ose faire beaucoup de choses que nous encourageons aussi. Moi, personnellement, j'ai dit waouh, c'est encourageant. Il s'appelle Don Hébert. Il est le promoteur de l'école tchadienne de l'art oratoire. Donc, si vous avez des problèmes pour prendre la parole devant les gens, vous ne vous sentez pas à l'aise, comment faire des discours, ces jeunes-là, ils donnent des formations, il est physiquement à N'Djamena. Alors, il est en ligne avec nous, on va découvrir, on va l'écouter. Bonsoir, Don. Bonsoir, Monsieur Vigo. Ben, je ne sais pas si on t'appelle Et Don bonsoir. ou c'est Don. Moi, j'appelle en anglais. Don
Don, c'est certainement en C'est Don. anglais, mais OK. don, c'est en français. OK. Ben, Merci. merci beaucoup d'avoir accepté Je notre suis. invitation. Oui, vas-y. Merci, c'est moi qui vous remercie. Hein. Merci à vous et merci vraiment pour tout ce que vous faites, non seulement pour le rayonnement de notre pays, ici ou à l'étranger, mais voilà, merci pour cet engagement qui est plutôt constant et très sincère. Ouais. Oui. Absolument. Et ce que tu fais, moi je l'ai dit, hein, personnellement, j'encourage beaucoup ce que tu fais. Et tu fais aussi rayonner le Tchad de ta façon. Tu écris des livres. Et Oui, je m'essaye à l'écriture, oui. oui, et on va voir ça tout à l'heure. Et en plus de ça, Oui. tu es juriste, politologue de formation. Tu es Oui. poète. Et tu fais aussi le Oui. coaching rédactionnaire et commercial, communicationnel. Oui. Et tu es le promoteur de l'école tchadienne de l'art oratoire qui va bientôt ouvrir ses portes en N'Djamena. Parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Oui. Merci bien. Alors, je suis écrivain, tu l'as rappelé. Oui. Merci infiniment. Je m'essaye à l'écriture. C'est vrai, je suis poète. Voilà, c'est-à-dire que j'écris ici ou là des recueils de poèmes. Et celui que j'ai reçu, en tout cas, à publier ou à faire publier aux éditions L'Harmattan de Côte d'Ivoire s'appelle Quand les mots dansent. Voilà. Tu sais que sur RFI, par exemple, il y a une émission hein, qui s'appelle La danse des mots, Oui. animée par Ivan Amar. Oui. Voilà, c'est un peu ce que je fais ici et à ma façon, tu l'as rappelé. Et je suis aussi essayiste, c'est-à-dire que j'écris des essais, le Oui. plus généralement des essais politiques. Hein, le premier s'appelle Le Nouveau Monde chrétien et politique. Il a été publié aux éditions Edilivre à Paris, en France. Et le deuxième, qui est aussi politique, paraît d'ici à quelques jours normalement aux éditions Le Pays, donc ici en N'Djamena au Tchad. Et il s'appelle Pourquoi je suis un transformateur. Donc voilà, ça traduit un peu mon engagement. Pour revenir à ta question principale, c'est finalement qu'est-ce que je fais avec ce que je donne ici ou là comme formation en art oratoire. Je crois que le système éducatif tchadien aujourd'hui, et le constat est vraiment fait par pratiquement tout le monde, a des déficits. Hein, je pars d'un constat que ce système a besoin d'être réinventé. Il est trop classique, d'accord? Il a formé de grands cadres dans ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut vraiment avoir le courage de reconnaître cela. Mais en fait, c'est un système qui a du mal à s'adapter. Et l'art oratoire, justement, c'est beaucoup d'actualité. Des pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire ont réussi à passer du système éducatif classique à un système éducatif beaucoup plus actualisé. Et l'art oratoire fait partie des programmes fondamentaux qu'on oblige les enseignants à donner non seulement aux apprenants, donc aux élèves, que ce soit au niveau primaire, au niveau collégien ou au niveau lycéen. Et à l'université, c'est encore très dense. Le problème au Tchad, il est à ce niveau-là. C'est qu'on attend, par exemple, l'étudiant ou l'élève à l'université, avant de lui apprendre les techniques d'expression, hein, ce qu'on appelle les techniques d'expression orale et tout cela. Et là même, ça n'est pas de l'art oratoire comme science, comme discipline et tout cela. Pendant la durée de l'année, par exemple, la totalité de l'année, l'étudiant peut très bien faire cette matière-là qui s'appelle technique d'expression orale, mais sans pouvoir avoir la possibilité de prendre la parole en public. Voyez-vous? Et ça, c'est un peu, c'est quelque chose qui fait que le Tchadien ou le jeune Tchadien de manière générale a du mal à s'exprimer en public. Moi, j'ai rencontré, ce problème-là quand j'étais à l'étranger. J'ai eu la grâce d'être en Afrique de l'Ouest pendant à peu près 6 ans. Et le reproche qu'on nous fait le plus souvent, c'est que les Tchadiens ne savent pas parler ou alors ils parlent avec beaucoup de difficultés. Hein, d'accord? Oui, il n'y Oui, a pas de c'est un constat qui cohérence, est là, il n'y là. a pas de Il n'y logique, a pas de ouais. cohérence. Voilà. Voyez des choses très simples, par exemple, ne peuvent pas marcher chez nous. Le débat contradictoire, on le voit sur les réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un te contredise sur un point, sur une publication, et c'est fini. Tu ne le prends pas, non pas comme adversaire, mais comme ennemi. C'est-à-dire que tu as même du mal à le saluer et tout cela. Le débat, ça n'est pas
très ancrée dans nos cultures. Et nos cultures ne nous préparent pas à la prise de parole en public. Tout ça à cause du système éducatif français, qui est un système très, très administratif. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour administrer, mais pas pour avoir un feedback. Toi, tu es dans certainement un coin anglophone, et là-bas, je crois, globalement, c'est un système éducatif qui ne se concentre pas uniquement sur l'administration du savoir, mais sur le feedback. Est-ce que l'apprenant, d'accord, est-ce que l'apprenant a la possibilité de dire un à deux mots sur ce que son enseignant lui a donné? Et ça, c'est très important. De plus en plus, il faut pouvoir avoir le courage de développer ce système-là. Et je crois que les choses, les sentiments comme le stress, la peur, la honte, la timidité, c'est beaucoup développé chez nous et un peu partout en Afrique centrale. Et l'objectif avec l'École tchadienne de l'art oratoire, ça n'est pas de faire disparaître cela, parce que la peur ne peut pas être éradiquée. La timidité, elle existe toujours, elle a existé depuis toujours. L'objectif, c'est d'aider à réduire les dégâts de tout cela. D'accord? On ne peut réduire que les dégâts de la peur. On ne peut réduire que les dégâts du stress. On ne peut réduire que les dégâts du trac. On ne peut s'habituer simplement qu'à la prise de parole en public. Même Barack Obama a le trac à 5 minutes de sa prise de parole en public. En public. Même Sarkozy a le trac, il a peur à 3 minutes de sa prise de parole en public. Michel Obama, les Tariq Ramadan que nous écoutons ici ou là, les Christian Taubira, tout le monde a peur à 2, 3, 5 minutes de sa prise de parole en public. Mais la différence, c'est quoi? C'est que les gens cherchent à travailler hein, au jour le jour à la réduction des dégâts de ce qu'ils ressentent comme peur, comme stress, comme trac. Et le problème aussi, c'est que chez les autres, ce problème, ces dégâts-là subsistent. Et cette école est là comme nouveauté, comme un nouveau type en tout cas d'école qui vient combler les vides de ce système éducatif classique que nous avons. Et elle devrait normalement ouvrir ses portes d'ici à quelques jours. Mais je te le souhaite, hein. Je souhaite que ça ouvre ses portes rapidement et je vais juste renchérir sur ce que tu dis là. Prendre la parole, c'est tout une préparation. Tu dois te préparer. Même des bons orateurs, ils préparent cela. Même Barack Obama, tu viens de le dire, hein, son discours, des fois, il reste devant le miroir et il récite cela. Absolument, et ça te permet de voir les gestes de mouvement que tu fais. Donc, tout est dans la pratique, dans les, comment on appelle, dans les préparations. Alors, comment aligner les idées? Tu travailles, tu mets les points, tu suis, tu le répètes. À force de répéter, ça devient une seconde nature. Et en faisant aussi les émissions, je prépare. Et le stress est partout. Deux fois, deux, trois minutes, je suis stressé. Parce que telle chose n'est pas prête, je panique. Je panique. Mais je c'est pas forcément que vous le souffle coupé et tout cela, tu peux transpirer, tu peux ressentir des besoins et tout cela, c'est normal. Hein, c'est normal. Oui, justement. Donc c'est notre capacité à dépasser tout cela, à réduire ces dégâts-là qui peut faire de nous un bon orateur ou bien une bonne oratrice. Alors chez nous, fondamentalement, ce que nous allons développer, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que l'art oratoire? Exactement, c'est la question que j'allais te poser aussi, oui. Oui, justement. Alors, l'art oratoire, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à cela. Chaque orateur a sa façon de définir l'art oratoire. Je crois que s'il y a une définition simple à donner à cela, c'est simplement la façon de transmettre un ou des messages de manière délibérée. Et là, il y a l'aspect volonté à ce niveau-là, de manière cohérente. Il y a la cohérence qu'il faut prendre en compte et de manière concise et précise. Au moyen de la voix, au moyen du regard, au moyen de la gestuelle, au moyen du silence. Parce que les orateurs, les bons orateurs ne font pas que parler tout le temps. Attention, c'est une mauvaise lecture que nous avons le plus souvent. Alors, les bons orateurs savent aussi garder leur silence. Ils savent choisir le bon moment pour dire quelque chose. Ils savent faire la différence entre l'urgence et la nécessité. Est-ce que c'est urgent que j'intervienne pour parler, pour dire quelque chose? Et est-ce que au-delà de l'urgence, il y a nécessité que j'intervienne pour parler? Ça, par exemple, c'est une définition très simple qu'on peut retenir de l'art oratoire. Maintenant, quel est le but de l'art oratoire? Ça aussi, c'est très important. Je crois qu'on peut avoir plusieurs buts.
il y a des hommes politiques qui ont spécifiquement des buts de convaincre, par exemple, leur électorat. Et à ce moment-là, l'art oratoire devient spécialisé. C'est-à-dire qu'ils se spécialisent dans le domaine de la politique. Je suis sûr que tu sais déjà cela. Il y a la communication politique, d'accord, que moi-même j'ai faite à l'université et tout cela. Et il y a la communication qui peut être appliquée au droit, par exemple. Il y a un type de communication qui peut être appliquée à la santé. Il y a un type de communication que les anciens appellent la pédagogie. Il y a un type de communication chez les psychologues. Il y a un type de communication même chez les sourds. Tu vois un peu ce que je dis? Oui. C'est-à-dire que à un moment donné, la communication est tellement diversifiée que, en fait, au lieu d'être souvent en prise avec les difficultés, elle s'enrichit plutôt. Et c'est ce qui fait généralement la nouveauté de l'art oratoire. Okay. Alors, l'art oratoire, c'est aussi à distinguer avec comment, ce qu'on appelle le plus souvent, comment parler en public. Oui. Ça n'est pas la même chose. Le comment parler en public, ce n'est pas de l'art oratoire, c'est plutôt dans l'art oratoire. C'est une technique, c'est un ensemble de techniques dans l'art oratoire. C'est un élément. Mais justement, c'est un élément. Ouais. L'art oratoire, c'est plutôt la science, c'est la boîte, c'est la discipline, au sein de laquelle on retrouve tout ce qu'on peut appeler comment parler en technique, comment parler en public, comment respirer, comment travailler sa voix, comment travailler son débit, le rythme de sa voix, comment travailler, sa respiration, d'accord? Les orateurs travaillent cela tout le temps, hein, son regard, son silence, tout cela se prépare. Donc, d'où parle l'orateur? De quoi est-ce qu'il parle? Le milieu est également à prendre en compte. L'environnement, c'est très important. L'entourage, c'est très important. Les objectifs, il faut également les prendre en compte et l'école tchadienne sera là justement pour permettre à tous ceux qui viendront pour non pas forcément apprendre, mais pour s'initier à l'art oratoire. Absolument. Je crois qu'il faut peut-être oser le mot. Ce n'est pas forcément de la formation, mais c'est une sorte d'initiation à l'art oratoire. Je crois que tout le monde sait parler, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache communiquer. Ouais. C'est ça la différence. La différence, absolument. C'est une grande différence. Tout le monde sait parler, mais voilà, tout le monde ne sait pas forcément communiquer. Donc, l'art oratoire et l'école tchadienne, l'art oratoire vient en appui plutôt spécialement au plan communicationnel. Oui. Ben, je mets le logo. Hein. Le logo est là sur l'écran. Oui. Vous qui nous suivez en direct, donc École tchadienne de l'art oratoire, en abrégé ETAO. Donc, le logo est là à l'écran. Les gens. Oui. Qui veulent se faire former ou aller dans cette école, comment faire? Oui. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Il y a un numéro? Oui, justement, il y a deux numéros. Alors, il y a un numéro Airtel et il y a un numéro Tigo. Pour ceux qui veulent justement nous joindre ou joindre simplement l'administration de l'école, je crois qu'ils peuvent prendre, par exemple, le 63, le 41, le 43, le 37. Donc, je reprends 63, 41, 43, 37. Ça, c'est le RTL. Et le Tigo, c'est le 91, 92, 28, 02. 91, 92, 28, 02. Voilà. Super. Donc, si on est à l'étranger et qu'on s'apprête à rentrer et qu'on est intéressé par ça, on ajoute simplement l'indicatif, le 235, pour essayer d'avoir des renseignements et tout cela. Absolument. Voilà. Donc, plus de 135 avec ces deux numéros. On va mettre ce numéro aussi sur nos plateformes pour que les gens puissent voir. Et la formation, bien, quand les gens vont dans cette école, ils ne sortent pas la même bredouille. Tu leur donnes un certificat. Oui. Et là aussi, j'ai souvent l'habitude de le rappeler dans les formations, les éditions que je donne à l'art oratoire. Ça n'est pas une obligation. Il y a très bien des gens qui refusent cette attestation. Parce que figure-toi, Migo, l'art oratoire, ça n'est pas d'abord une attestation. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Okay. C'est un choix. Alors, ceux qui en veulent, nous sommes là, nous pouvons signer cela. Mais ceux qui n'en veulent pas peuvent très bien avoir de bonnes raisons à cela. Et nous comprenons cela aussi, parce que l'art oratoire, c'est d'abord ta propre conception de l'orateur, ta propre conception de la communication. Okay. Ce n'est pas tant ce que nous donnons qui est important, mais c'est surtout ce que nous donnons qui aura fait naître en l'apprenant qui est très important.
Ça, je crois qu'il y a un accent particulier à mettre là-dessus. Oui. Super. Et pour terminer rapidement, je vois que tu es aussi Oui. un homme très engagé en politique aussi. Tu donnes ton point de vue, tu donnes ton opinion. Oui. Dans mes recherches, je vois aussi que tu es plus proche du transformateur Docteur Succès Masra. Oui. Donc, tu es un homme aussi très engagé en politique. En 2 minutes, qu'est-ce que tu penses de la politique au Tchad? Est-ce qu'il y a l'espoir? Bien, en tant que jeune, si je me dis il n'y a pas d'espoir, c'est que c'est une pensée criminelle. Hein? C'est que finalement, qu'est-ce que je recherche ici au pays? Je serais très bien resté à l'étranger et pour me débrouiller. Je crois que c'est parce qu'il y a de l'espoir que j'ai décidé de m'engager en politique. Et d'ailleurs, il y a ce mot-là très très en vogue chez nous les transformateurs. Donc, c'est l'espérance en fait. Avoir un brin d'espoir pour l'avenir, pour le futur. Non pas forcément pour nous, mais pour ceux qui viendront même après nous. Et ça, c'est très fondamental. Je me suis engagé en politique pour 3 raisons. D'accord? La première, c'est que je suis un citoyen. Et je crois que la citoyenneté, hein, ceux qui disent par exemple que moi je suis apolitique ou moi je ne m'intéresse pas de la politique, à ceux-là, je ne donne pas de leçons. Attention. Mais je dis qu'on ne peut pas se faire passer pour un citoyen, hein, tout en disant que la politique ne nous concerne pas. Ça n'est pas logique parce que la notion de citoyenneté est très rattachée à la cité. Et donc, qui dit cité dit gestion des affaires, des affaires communes, donc de tout le monde. Et je crois que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Donc, je m'engage parce que je suis citoyen, parce que j'ai des choses à apporter à ce pays que j'aime tant, que je ne veux pas voir sombrer encore pendant des années. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je crois que je me suis engagé en politique parce que je suis intellectuel. Or, j'ai une définition très simple de ce que c'est que d'être intellectuel. Ce n'est pas le doctorat, ou si c'est le doctorat, ça n'est pas cela seulement. Ce n'est même pas un master. Ce n'est pas seulement avoir été à l'université ou avoir été major de je ne sais n'importe quelle promotion. La notion d'intellectuel chez moi, c'est toute personne qui est utile à la société. Et je crois qu'au sein des transformateurs, nous développons cette notion-là. C'est que est-ce que tu veux être utile à ta société? Est-ce que tu veux simplement être là pour servir les autres? Nous développons la notion de leadership serviteur. Ça, par exemple, c'est la deuxième raison fondamentale. J'ai d'ailleurs écrit un livre, et c'est le deuxième essai, qui s'appelle Pourquoi je suis un transformateur? Pour expliquer un peu globalement les raisons qui m'ont poussé à m'engager. Pourquoi maintenant? D'accord? Pourquoi pas dans un autre parti politique ou dans une autre formation politique? La troisième raison, et je chute là-dessus, c'est que je me suis engagé en politique parce que je crois fortement dans l'avenir. Et ça, c'est fondamental. Or, qui dit avenir, dit forcément l'inclusion de tout le monde. Je ne peux pas rester en retrait et laisser quelqu'un d'autre faire ce que moi, je devrais faire. On ne peut pas importer des Tchadiens de la Chine, comme le docteur Masra lui-même le dit, ou des Tchadiens de l'Inde pour venir transformer ce pays-là, ou simplement le changer. D'accord? Donc, je dois me considérer responsable parce que je crois en l'avenir de ce pays, hein, que je suis appelé à bâtir avec les autres. Alors, je suis très proche, c'est vrai, de Succès Masra, en ce sens que je suis transformateur, mais peut-être principalement aussi parce que je suis un peu son conseiller politique et son speechwriter, c'est-à-dire le chargé des discours et tout cela. Oui. Ben écoute, on apprend beaucoup, mais Oui. on aura le temps de revenir sur cela. Et moi, je te dis bravo, Merci. bravo pour ce que tu fais. Tu es très jeune. On n'a pas le temps de tout parcourir, mais on t'invitera pour une autre fois. Merci Tu infiniment. lis beaucoup de livres en une année. Tu lis presque 92, 93, selon les recherches que j'ai faites. Tu lis beaucoup de livres de. Justement, merci. Donc, Merci, si. merci. À la fin de cette année, je devrais lire mes 2000 livres déjà Oh et je my vais God! organiser une fête de cela, c'est ça. 2000 livres en combien de temps? En une Oui, en année. 10 ans. Je lis 2 livres par semaine. Et donc, sur une échelle de 10 ans, à la fin de cette année, la 10e année, donc, je devrais pouvoir lire les 2000 livres. Ah oui. Impressionnant. Ben impressionnant. Ben écoute, Merci. bravo, hein, bravo pour tout ce Merci, que tu merci fais. infiniment. On aura le temps de Oui. t'inviter pour une autre fois parce que tu peux pas tout dire aujourd'hui.
Alors, merci pour ta disponibilité. Je te souhaite bon vent et allez dans cette école. On va mettre les contacts là. Appelez-le si vous avez besoin et tu fais des formations aussi taillées, peut-être les, à l'étranger aussi. À l'étranger. Hein. Okay. Il y en a qui sont à l'étranger et qui pourraient très bien se faire former dans ce domaine-là. J'ai déjà été à Yaoundé, à Ngaoundéré et tout cela. Il y a des éditions qui sont en vue. Mm-hmm. Donc, en fait, parfois, toi-même, tu pourrais m'inviter à aller au Canada ou je ne sais pas. Ben, pourquoi pas? Aux États-Unis. Donc... Pourquoi pas? C'est... Donc, j'ai pris que ça vienne. Ben, écoutez, on va travailler sur ça. Pourquoi justement, pas? Tout est possible. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à organiser un concours national d'art oratoire. Sinon, je te suggère d'organiser avec le temps au Tchad un concours. Absolument. Pour un concours national. D'art oratoire. D'art oratoire. Oui. Justement. Donc, on va tendre vers cela. C'est pourquoi une école dans ce domaine est très importante. Mm-hmm. Tu sais que c'est une institution. Donc, si une institution gère tout cela, je crois qu'avec la logique, avec l'objectivité, tout cela va se dérouler. C'est l'un de mes plus grands souhaits. À bientôt, Don. Et bon courage. Et tu reviendras sous peu. Tu reviendras sous peu comme invité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait découvrir avec toi. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Merci et merci. Merci bien. Oui, donc restez en ligne. Nous allons recevoir donc Ahmad Bashir, qui était un ancien ministre. Et je l'ai dit, hein, il avait eu un peu de difficultés, si on peut le dire comme ça, à l'aéroport Hassan Diamous, à l'aéroport international du Tchad. Il voulait voyager pour l'Égypte. Et il va être là avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé. Donc, restez connectés. Restez connectés. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion parce que c'est très difficile. Il est en Égypte en ce moment. Et on s'est parlé juste 30 minutes avant l'émission. Impossible d'appeler. Bon, on va relancer. Il est prêt. Il a des choses à dire. Oui. Oui, bonjour. Allô, Migo. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va, Migo? Oui, ça va très bien. On est donc en direct et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour une énième fois. C'est très apprécié. Je rappelle que vous êtes l'ex-ministre des Mines, du Développement Industriel, du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Vous étiez plusieurs fois ministre de la Sécurité aussi. Et tout dernièrement, vous avez été victime d'abus de pouvoir. Si je peux dire comme ça, c'est un abus de pouvoir au Tchad. Parce qu'il y avait un agent qui avait formellement, vous a formellement interdit de prendre le vol en direction d'Égypte. Il aurait demandé que vous lui présentiez une autorisation de sortie délivré par la présidence de la République du Tchad. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour écouter la vraie version parce que dans les réseaux sociaux, oui, les gens racontent des choses, mais ce ne sont pas nécessairement des vraies versions. Et c'est pourquoi on vous a contacté et vous avez accepté très humblement de venir nous donner des vraies explications. Donc, merci beaucoup. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, et vous-même? Oui, ça va très bien. Donc, expliquez-nous brièvement les vraies versions de la situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, M. Bashir? Bien, merci. D'abord, je profite de l'occasion pour vous remercier une fois de plus. Et vous avez cherché à savoir la réalité des faits. Mmh. Et c'est une très bonne chose. Parce que les réseaux sociaux ont véhiculer des informations qui ne sont pas nécessairement justes. Et je vous dis la vraie version. Oui. Comme vous le savez, nous avons une réglementation au Tchad qui, disons, oblige tout détenteur de passeport officiel. Je veux dire par là, tenter un passeport diplomatique ou passeport de service. Mmh. De se munir d'une autorisation de, pas de sortie, mais une autorisation d'absence. Mmh. Et comme vous le savez, moi, en tant qu'ancien ministre des Mines, ministre sortant, j'ai le droit d'avoir
un passeport de service. Parce que ça, c'est la réglementation qui le dit. Tout ancien ministre a droit à un passeport de service. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon passeport de service. J'ai eu les visas nécessaires, en particulier le visa de l'Égypte. Et j'ai voulu maintenant monter vers l'Égypte. Mais malheureusement, j'ai oublié de prendre avec moi l'autorisation d'absence de son département d'origine et non de la présidence de la République. Et donc, je ne suis pas présenté à l'aéroport. C'était un jeudi. J'ai juste envoyé mon chargé de relations publiques de remplir les formalités. Mais arrivé à l'aéroport, l'agent de police, ayant constaté que M. Bachir détient un passeport de service et avec mention ancien ministre, et donc l'agent a exigé, disons, l'autorisation d'absence. Ok. C'est ce que je n'ai pas fait. Et donc, en l'absence de l'autorisation d'absence, l'agent a demandé gentiment à mon chargé de relations publiques de me contacter si je détenais par devers moi une autorisation d'absence. Mon chargé de relations m'a contacté. Je lui ai dit non, je n'ai pas d'autorisation d'absence. J'ai oublié de le faire et donc c'est pas la peine d'insister. Ramener les valises. Entre-temps, je me préparerai pour avoir ces documents et voyager tranquillement. Nous sommes jeudi. Oui. Donc vendredi, étant une journée courte, j'ai pris une autorisation d'absence. Et le dimanche, j'ai voyagé. Donc le jeudi, aucune information n'est sortie. Le vendredi, aucune information n'est sortie. Le samedi, aucune information n'est sortie. Ce n'est que quand j'ai pris mon vol, en plein vol, l'information est sortie et ça a été dramatisé comme chacun l'entend. Et voilà la vraie réalité des faits. Mmh. Wow. Donc, vous n'étiez pas, le jeudi, vous n'étiez pas physiquement à l'aéroport. C'est quelqu'un chargé de votre relation qui est allé faire les formalités. Vous n'avez pas mis pied à l'aéroport le jeudi. Pas du tout. Pas du tout. Wow. Pas du tout, je n'ai pas mis pied à l'aéroport. J'ai envoyé mon chargé de relations publiques pour faire les formalités. Mais malheureusement, ce document qui s'appelle autorisation d'absence ne figure pas ou qui n'accompagne pas mon passeport. Et mon passeport est pas un passeport de service. Mentionné dessus, ancien ministre. Et donc, ce sont des formalités d'usage que je n'ai pas accomplies à 100%, et voilà. Ouais. Mais je dis bien, nous étions jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aucune information n'est sortie. C'est quand j'ai pris mon avion en plein vol, eh bien, ils ont balancé ça dans les réseaux sociaux et les gens ont interprété à leur manière. Ouais, c'est ça. On a reçu cela et comme nous, on a l'habitude de faire au niveau de notre radio ici, le réseau de citoyens, nous vérifions les sources d'informations avant de les publier. Moi, personnellement, j'ai reçu cela, je n'ai pas publié. J'ai dit, je vais contacter la personne et vous avez accepté mon appel. Je vous ai appelé, vous m'avez expliqué. J'ai dit, bon, ça serait bien que vous expliquiez cela aux auditeurs. Vous avez accepté comme un bon citoyen, un bon monsieur, et parce que nous, on accepte beaucoup les gens qui acceptent de répondre avec les médias. Vous le faites très bien. Donc, mais c'est que nous ne comprenons pas. C'est que les Tchadiens ne comprennent pas. Pourquoi il faut une autorisation? Pourquoi vous avez besoin d'une autorisation de sortir? Vous êtes un citoyen, vous pouvez voyager librement. Pourquoi une autorisation? Oui, oui, monsieur Migaud. Oui. Je suis d'accord avec vous, je suis un citoyen libre, je peux voyager à tout moment. Mais je disais tantôt que je détenais un passeport officiel. Ça veut dire un passeport de service. OK. Les passeports officiels sont les passeports diplomatiques quand on est en fonction. En tant que ministre, vous avez droit à un passeport diplomatique. Quand vous n'êtes pas en fonction, vous avez droit à un passeport de service. OK. Sur lequel est marqué ancien ministre. Donc,
si je veux voyager librement, je dois me faire un passeport normal, comme un citoyen lambda. Ouais, mais est-ce... Si je... c'est une question d'option. C'est une question d'option. Ouais. Moi, j'ai opté pour le passeport de service, mais le passeport de service pour voyager, ce passeport est conditionné par une autorisation d'absence. Ouais. Mais donc finalement, le jeudi, vous n'avez pas voyagé, vous avez voyagé dimanche. Ça veut dire que vous avez payé le billet de nouveau. Est-ce qu'on vous a remboursé? Parce que le jeudi, le billet d'avion est déjà perdu. Est-ce qu'on vous a remboursé? Non, le billet n'a pas été... Le billet n'est pas perdu. J'ai payé simplement une pénalité de $250 parce que ma place est partie vide. Et puis c'est tout. OK. Et là aussi, j'ai le droit de réclamer. Absolument, c'est ça. Je n'ai pas le droit de réclamer parce que j'ai le droit de réclamer cela, mais malheureusement, c'est de ma faute. Je n'ai pas pris une autorisation de service. Si j'avais une autorisation sortie et que j'ai été empêché, en ce moment, je peux rester en justice pour rentrer dans mes droits. Et l'autorisation que vous avez reçue, est-ce que c'est au niveau de la présidence ou bien c'est dans les ministères? Non, c'est au niveau du ministère. Moi, je suis contrôleur général de police. Je dépends du ministère de la Sécurité. Donc, le ministère m'a remis avec plaisir une autorisation d'absence. Et j'ai voyagé tranquillement. Je repars tranquillement et prochainement, si je veux sortir aussi, je prendrai une autorisation pour sortir comme tout autre. Absolument. Si je veux éviter tout cela, je dois me munir d'un passeport ordinaire. Et là aussi, attention, il ne faudrait pas que sur la fonction qu'on écrive administrateur civil ou contrôleur général de police ou quoi que ce soit. En tant que contrôleur général de police, j'ai droit à un passeport diplomatique. En tant qu'administrateur civil, j'ai droit à un passeport ordinaire. En tant qu'ancien ministre, j'ai droit à un passeport de service. Voyez-vous? Oui, ouais, très bien. Donc, mais, à moi de choisir mon option. Mais ce n'est pas le seul cas des anciens ministres ou bien des autorités qui ne seront plus en fonction et qui ont eu des ennuis à leur report. Ce n'est pas un premier cas. On se rappelle le cas de l'ex-premier ministre d'Adnadi qui a été empêché de voyager à l'aéroport. Ça fait le tour du monde. Ouais. Il y avait aussi le président de CSAI, Sheikh Mohamed Khatir Issa. Ce n'est pas le premier cas. Donc, est-ce qu'eux aussi, ils ont voulu voyager avec le passeport diplomatique ou bien le passeport de service? Pourquoi on les a empêchés? Parce que Adnadi était victime de cela aussi, on l'a empêché de voyager. Entre-temps, vous étiez ministre de la Sécurité. Mido. Oui. C'est une réglementation qui s'applique à tous. Vous avez un passeport de service. Vous devez nécessairement avoir une autorisation d'absence. Vous avez un passeport diplomatique, vous devez absolument avoir un ordre de mission, une autorisation d'absence. Vous avez un passeport normal et même fonctionnaire, simple de l'État, vous détenez un passeport normal, service ou diplomatique, vous devez avoir une autorisation d'absence. Donc c'est une règle qui est instaurée. Ouais. Et c'est cette règle-là qui est appliquée. Donc, tous les cas que vous avez enregistrés, c'est des cas qui sont fondés. Okay. Pour Dim Rangar Adnadi, vous pouvez l'appeler comme vous m'avez appelé, et il pouvait vous donner des explications, et il ne vous donnera pas d'explications contraires à mes explications-là. Super, parfait. Mais ça, c'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Et merci beaucoup d'avoir éclairci cela pour nous, parce que, oui, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement vrais, ça, moi, je confirme. Et Monsieur Migo, oui. Vous avez raison. Moi, j'ai suivi aussi avec une attention particulière sur les réseaux sociaux et je m'en moquais. J'ai dit, mais vraiment, les gens dramatisent les choses, les gens poussent les gens à l'extrême sans leur volonté, et ce qui n'est pas normal. Ouais. Ce qui n'est pas normal, et c'est pourquoi je vous remercie et je vous félicite. Toute information qui passe devant vous, il faut la vérifier. Absolument.
avant de la diffuser. Ce qui a été écrit dans les réseaux sociaux à travers Opera New ou bien à travers les autres canaux, mais c'est complètement erroné. C'est de la courte vérité. Moi, je suis un enfant du régime. Né dans ce régime, grandi dans ce régime, politiquement, je veux dire. Politiquement, je suis né et grandi dans ce régime. C'est mon régime. Hier, j'ai été ministre. Demain, je serai ministre. Mais c'est ça, j'allais vous poser encore cette question. Est-ce que vous pensez que vous allez être nommé encore ministre dans... Mais bien sûr. C'est mon régime, j'irai jusqu'au bout avec mon régime. Et vous pensez être ministre ministre de la sécurité ou que... Combien de fois j'ai changé de fusil d'épaule? J'étais passé par plusieurs ministères. Ouais. J'ai fait le ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait le SGG, le ministère SGG. J'ai fait l'administration territoriale. J'ai fait la sécurité. J'ai vu l'intérieur et la sécurité. J'ai été ministre des mines, ministre du commerce, ministre des industries et du secteur privé. J'ai été deux fois directeur de cabinet civil du président de la République. C'est mon régime. Et demain, je serai encore quelque chose. Mais est-ce que vous pensez que ces régimes vont continuer ou vous pensez qu'un autre régime va prendre place? Selon vous, selon l'expérience, est-ce que vous pensez que ces régimes, régime MPS va bientôt prendre fin? Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre possibilité qu'un autre régime s'installe au Tchad? Vous savez, le peuple tchadien a mandaté le président de la République, Idriss Déby, à diriger ce pays. Attendons les élections prochaines. Nous sommes toujours transparents dans les élections et que le meilleur gagne. Aux prochaines élections, si le président Idriss Déby continue, eh bien le régime continue. Si le président Idriss ne gagne pas aux élections, ça veut dire que le régime aussi perd. Et donc, il n'y a pas de raison où il n'y a pas de, comment on appelle, de chance de dire que c'est la fin du régime, c'est la fin du régime. Attendons les urnes. Les urnes vont parler. Oui, absolument. Ouais, mais... entre-temps, notre régime continue. Absolument. Mais vous côtoyez les gens, vous êtes une personne, parce que les gens parlent aussi bien de vous, hein, c'est pas nécessairement que des choses négatives. Moi, j'ai écouté des gens qui parlent aussi bien de vous. Vous êtes une personne très sociable aussi, vous partez, vous parlez avec des gens, vous mangez avec les gens donnent ces témoignages-là. Mais quand vous côtoyez les Tchadiens lambda, les gens disent que les gens souffrent beaucoup au Tchad. Et est-ce que vous voyez cela quand vous côtoyez ces Tchadiens-là? Oui, allez-y. Monsieur Migo. Oui. Le citoyen lambda, malheureusement, dans notre pays, a été toujours victime. Et il a été toujours instrumentalisé par les politiciens à petits pieds. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez tendre votre micro à n'importe quel lambda. Il vit tranquillement, en paix, paisiblement, et voilà. Et le lambda ne demande pas plus que ça. Il veut des écoles, il veut des hôpitaux, il veut des routes, il veut la sécurité. Mais toutes ces conditions sont déjà réunies pour lui. Mais le politicien, les politicards qui font de la politique un marché, eh bien, instrumentalisent le lambda. Et parfois, les dresse même contre son tuteur ou contre son dirigeant. On va regarder ça de près et on vous souhaite bon vent. Mais juste une dernière question avant de vous laisser partir. La vie d'un ministre que vous avez vécu et la vie d'un citoyen simple, pas ministre, vous préférez lequel? Vous préférez être ministre ou vous préférez juste vivre comme un citoyen lambda sans fonction? Qu'est-ce que vous préférez? Mais ici, il n'y a pas de préférence. Mais en tant que Tchadien, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui aime le pays, j'aime servir le pays. J'aime mettre mon savoir, mon petit savoir, au service du pays. Donc, il n'y a pas de préférence. Si on me donne une responsabilité, on me confie une responsabilité, je l'accepte et je travaille avec abnégation. Ok. Le jour où on me dit, Monsieur Bachir, mettez-vous au repos, je me mets au repos, je mets
mon cerveau en jachère et j'attends la prochaine mission. Très bien. Mais je vous souhaite bon séjour en Égypte. Vous êtes en ce moment en Égypte, donc je vous souhaite bon séjour en Égypte. Et merci pour cette clarification que vous avez donnée, surtout à l'incident qui s'est passé à l'aéroport. C'est très apprécié. Et portez-vous bien. Si on a d'autres choses, comme d'habitude, on viendra merci, vers M. vous. Merci, M. Migo. Merci beaucoup, Migo. Ça fait plaisir. Et puis, oui. Bien les choses à vos auditeurs. Mais merci, à très bientôt. Ils vous écoutent, très nombreux à vous écouter en ce moment. Et merci, on apprécie merci encore votre ouverture d'esprit. Merci à bientôt. Merci. Au revoir. Wow, donc c'était le ministre Bachir que vous venez, l'ancien ministre Bachir que vous venez d'écouter. Bon, on a eu les explications, surtout concernant son voyage qui a été plus ou moins annulé. Et lui, il a donné une version, les versions qu'on a dans les réseaux sociaux, c'est complètement pas ça. Alors, nous encourageons, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, hein. Nous, au niveau de réseau des citoyens, on passe les informations, on donne les informations filtrées, on vérifie les sources. Et c'est pourquoi on ne balance pas n'importe quoi et nous encourageons aussi les médias tchadiens à faire cela, à... Il n'y a pas un concours que qui va donner les informations en premier, qui va dire quoi en premier. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule à vérifier les sources d'informations. C'est ça qui fait la fiabilité des médias. La force des médias, c'est les sources d'informations. Ce que je vais publier. Est-ce que j'ai des sources? Est-ce que j'ai des preuves? Et c'est la mission que nous, on s'est donnée. Au niveau du réseau de citoyens. Toute information avant de publier quoi que ce soit, on va vérifier à la source. Si on n'a pas de source, on ne publie pas. On n'en publie pas. Parce que ce qui se passe dans les médias tchadiens en ce moment-là, dans certains pays, beaucoup de gens vont faire la prison ou bien payer des amendes parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. Beaucoup. Je le vois tous les jours. Je ne parle pas nécessairement le cas de Bachir, mais en général, tu prends le média, c'est-à-dire tu décortiques, des gens disent tellement de choses non fondées. Et c'est tout le temps. Donc nous encourageons les médias tchadiens à travailler dans ce sens-là, travailler un peu plus, aller chercher les sources des informations. Même si tu sors la nouvelle 2 jours après, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu es sûr que ce que tu sors, c'est une bonne information. Donc, je vous laisse rapidement 10 minutes à appeler. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation de Bachir, appelez le numéro +1 514 882 7494. Je vais prendre un ou deux appels avant de vous laisser partir. Donc, je vous laisse le micro. Appelez si vous avez des choses à dire. Et surtout, revenez-nous le mercredi. Tous les mercredis, on donne le micro aux citoyens pour... dire, pour s'exprimer. Donc, le micro citoyen, tous les mercredis, à 14h. Vous pouvez appeler pour le sujet qui vous tient à cœur. Pendant 1 heure du temps, préparez des choses, vous voulez témoigner quelque chose, appelez. Alors, je laisse, j'ai encore 10 minutes. Si vous avez quelque chose à dire, appelez-nous, on aimerait vous entendre. On aimerait avoir votre point de vue. Et nous sommes là pour ça. Donc, voilà. Sinon, revenez-nous le mercredi. Mercredi, le micro citoyen est ouvert à tout le monde. Appelez, le numéro est là à l'écran, 514-882-7494. La parole est à vous, tous les mercredis. Donc, appelez-nous. Alors, merci beaucoup de votre temps et merci à M. Bachir de nous donner ses éclaircissements. Même si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il dit sur le régime, la situation des Tchadiens. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui parce que moi, j'écoute, les gens appellent, je vois, je vis avec les gens, je parle avec les gens souffrent beaucoup. Et s'il me dit que les gens sont quasiment bien, je ne suis pas parfaitement convaincu. Beaucoup de Tchadiens souffrent. Donc, ça, c'est un sujet à discussion. Mais merci. Oui. Allô? Oui, bonjour.
Oui, on appelait pour s'assurer que notre intervention c'est pour aujourd'hui ou c'est pour mercredi. C'est le groupe Chadian Community of Oui, justement. Parfait. Ah, ça tombe bien parce que j'avais pas le bon numéro. Donc, oui, merci beaucoup d'être là. Restez en ligne, c'est très important. On va prendre au moins 15 minutes pour parler de cela. Nous avons, vous avez suivi aussi Kochad, plutôt à New York. Il y avait des intercations. Parce que Idriss Déby avait donné une enveloppe et le mercredi passé, on avait eu des problèmes parce qu'ils étaient là pour nous expliquer les choses, mais la ligne était perturbée. Pas perturbée, mais c'est plutôt un problème technique. Le message que eux, leur micro, vous ne les entendez pas. Moi, j'entendais, mais les citoyens ne les entendaient pas. Donc, ils sont là aujourd'hui pour nous parler de cela. Merci beaucoup d'avoir rappelé. Hein. C'est très, très apprécié. Oui, donc. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé à New York quand Idriss Déby était venu à l'ONU? Ben, il convient de rappeler que lors du passage du chef de l'État Idriss Déby à l'ONU, légitimement et naturellement, donc les compatriotes tchadiens qui étaient ici avaient tenu à rencontrer le chef de l'État pour lui exprimer leurs doléances, que ce soit des doléances sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Mmh. Et l'agenda du chef de l'État ne lui permettait pas de les recevoir le mercredi 26 septembre qui était programmé. Donc, moi personnellement, en tant que le secrétaire général de Chadian Community of USA, j'étais parmi les délégués des différentes organisations qui voudraient rencontrer le chef de l'État le mercredi à 18h lorsque un chargé de mission de la mission permanente du Tchad auprès des Nations Unies est venu nous informer en disant que la première dame devrait nous recevoir pour nous délivrer un message du chef de l'État parce que ce dernier ne pourra pas nous recevoir le mercredi, mais peut-être le jeudi avant son départ. Mmh. OK, à 19h pile, donc les délégués des différentes organisations et des personnes ressources qui voudraient rencontrer le chef de l'État s'étaient dirigés vers la mission permanente du Tchad auprès des Nations Unies où le décor a été planté et à 19h30, la première dame, accompagnée de l'ambassadeur du Tchad auprès des Nations Unies, Mustapha Ali Alifé, était venue dans la salle. Donc, quelques minutes plus tard, la première dame a pris la parole et a transmis le message du chef de l'État, dont il ne me revient pas la latitude d'expliquer ici. Mais après le message, en tout cas, de remerciement de la première dame, et après avoir évoqué également quelques problèmes sociopolitiques du Tchad dont son ONG s'en occupe valablement, eh bien, cette dernière a laissé la parole à tous les compatriotes de la diaspora, qu'ils soient venus du Canada, de différents États, des États-Unis, que ce soit Virginie, Texas, Indiana, eh bien, les uns et les autres, Washington, les uns et les autres ont pris la parole et ont expliqué, ont exprimé leurs doléances, comment on appelle, légitimement et indépendamment au nom de leur organisation à la première dame. Et après avoir écouté les différentes entités, eh bien, en partant maintenant, la première dame avait dit, en guise de remerciement et pour aider les jeunes, les enfants qui ont pu se mobiliser pour venir écouter le message du chef de l'État, eh bien, qu'ils avaient une enveloppe de 10 000 euros pour que ceux qui soient, elle a même insisté, ceux qui sont présents ici, une quarantaine de personnes, je vous le précise, puissent avoir de quoi repartir chez eux parce que d'aucuns sont venus du Canada, etc., comme je venais de le dire. Mais une deuxième enveloppe également avait été remise et au personnel de la mission pour le travail qui a été abattu en amont de la tenue de l'Assemblée générale et pour les trois autres mois, parce qu'il convient de vous préciser que lors du passage du chef d'État, c'est juste une semaine, un sommet de chef d'État, mais après cela, les diplomates sur place devront encore aller dans les six commissions pour travailler pendant six mois, pendant trois mois. Donc, c'est pour les encourager que la deuxième enveloppe a été donnée. Mais c'est ça, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, moi personnellement, dans des pays où la démocratie s'installe, hein, un président, quand il voyage, il ne distribue pas l'argent. Il ne donne pas de l'argent. Parce que toute somme sortie, il doit justifier. Mais pourquoi, ce n'est pas le premier cas, pourquoi chaque fois que Idriss Déby voyage quelque part, les gens se réunissent et ils donnent des enveloppes? Pourquoi? Pourquoi vous acceptez
de prendre l'argent que Idriss Déby donne. Et vous le savez, l'argent qu'il donne là, c'est de l'argent des contribuables. Et normalement, il doit rendre compte combien il a donné, pourquoi il donne. C'est ça la question que les gens se posent, parce que la corruption, c'est ça. C'est ça la corruption. Tu donnes une enveloppe sous la table aux gens. Prochainement, quand tu viens, ils vont sortir pour t'accueillir, pour t'applaudir. C'est la corruption. Mais pourquoi les gens acceptent? Et surtout les gens qui sont au Canada ou aux États-Unis, ils ont une situation plus ou moins mieux que les gens qui sont au Tchad. Mais pourquoi les gens courent pour aller prendre l'enveloppe? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, je comprends votre analyse, mais je pense que ce n'est pas ça l'objet de notre intervention. L'objet de notre intervention, c'est pour clarifier les bagarres rangées dont les réseaux sociaux ont fait mention. Concernant le fait que le chef de l'État ait donné de l'argent, comme je vous ai dit, ceux qui étaient venus le jour-là sont des personnes plus ou moins neutres, indépendantes, donc n'étaient pas venus pour se faire si corruption il y a eu par le chef de l'État. Je vous ai dit que c'est au terme du discours de la première dame, qui est un discours légitime, que cette dernière a sorti une enveloppe, et le kohu bohu ou bien le quiproquo qui s'est déroulé le jour-là, c'est l'objet de notre intervention. Eh bien, après qu'elle ait sorti l'enveloppe, un individu qui serait un récidiviste depuis 2016 a pris l'enveloppe et a voulu disparaître Il s'appelle Yaya. Le monsieur, il s'appelle, c'était un ancien policier. J'ai son nom, j'ai toutes les informations sur lui. Il s'appelle Yaya, un ancien policier. Voilà. Donc, ce dernier a pris l'enveloppe et a voulu disparaître sans qu'on ne sache la raison et sans que les différentes organisations qui soient là aient pu répondre positivement ou négativement, comme vous êtes en train de le dire. Mais l'enveloppe... Ces organisations auraient pu récupérer cet argent. Oui, eh bien, nous n'en voulons pas, on ne sait pas, mais... Je vous appelle pour vous dire que la bagarre n'était pas une bagarre rangée. C'est parce que cet individu voulait fuir avec l'argent que les uns et les autres ont voulu le maîtriser afin qu'il ne puisse pas disparaître avec l'argent. Parce que même s'il disparaissait avec l'argent, tous les bruits qui se sont déroulés sur les réseaux sociaux allaient toujours avoir lieu. Donc, notre intervention, c'est pour dire que tous les Tchadiens, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, ne sont pas des commandeurs, ne sont pas des corrompus. Nous étions dans la salle là. Pas pour recevoir de l'argent, parce que avant que nous dirigeons là-bas, personne ne nous avait dit qu'il y avait de l'argent. Au nom de l'association dont je vous parle, c'est en ce moment que je vous explique les choses. Maintenant, il doit revenir à moi, à titre personnel, moi que toute la communauté tchadienne connaît. Je suis aux États-Unis présentement en tant que chercheur et journaliste en paix et développement durable. Et c'est mes objets de recherche qui m'ont amené à rencontrer le chef de l'État et la première dame à travers une audience personnelle. Donc, si moi, je m'étais déplacé dans les lieux, si vous voyez les vidéos, vous allez me voir, j'étais en dernière position là-bas. Et dès que les bagarres ont éclaté, j'ai cherché à faire la médiation parce que c'est ça ma posture. Nous n'étions pas là-bas pour prendre de l'argent. C'est ça l'objet de notre intervention ce matin, monsieur. Oui, non, c'est très bien. C'est une très belle explication parce que, oui, comme on a dit, on vient de le dire aussi avec Bachir, là, dans les réseaux sociaux, les informations partent comme ça, en pêle-mêle. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai. On ne peut pas démêler le vrai du faux. Alors, c'est bien d'expliquer cela. Selon les informations que j'avais reçues, le président a donné l'enveloppe à sa femme, donc à Hinda Déby. Oui. Et après son allocation, après avoir reçu une vingtaine de personnes dans la salle, elle avait remis l'enveloppe là à l'ambassadeur. Oui. Et l'ambassadeur qui avait remis à ce monsieur-là, pour que vous puissiez vous partager. Oui. Donc, est-ce que on peut dire que l'ambassadeur n'a pas bien fait son travail? Parce que les gens l'accusent, là. Il y a beaucoup de gens qui ont accusé l'ambassadeur. Beaucoup de gens me disent que c'est la faute de l'ambassadeur. Et j'ai appelé l'ambassadeur, je lui ai demandé d'intervenir, il m'a dit oui, il m'a dit de lui envoyer les questions, je lui ai envoyé, je l'appelle, il ne répond plus, il disparaît. Depuis ce jour, il ne répond plus à mon téléphone. Il dit que lui aussi, il était journaliste. Je lui dis, oui, ça tombe bien. Vous allez venir nous expliquer les choses. Et je ne sais pas pourquoi il ne répond plus, il fuit. Je l'ai appelé. Votre question est très pertinente et moi, je vais être honnête avec vous. Moi qui étais dans cette salle au nom de notre nouvelle association, à titre personnel en tant que chercheur et journaliste, après que l'enveloppe soit sortie, après le discours de la première dame qui elle-même disait clairement
que les absents ont tort et que l'argent doit être partagé ou bien du moins remis aux enfants ou aux gens qui sont déplacés sur place ici, après que l'ambassadeur ait pris l'argent et remis à ce récidiviste qui peut-être connaissait l'ambassadeur bien avant ou serait même passé avant se faire passer pour un représentant de toutes ces entités. Moi, personnellement, si je dois parler à mon nom, je dois peut-être estimer qu'il y a eu un piège ou bien il y a eu un volet politique que toute l'assistance dans cette salle ne maîtrisait pas, qui aurait pu être la cause de ce problème dont certains individus mal intentionnés ont fait la récupération pour en faire ce qu'on appelle une intoxication, pour essayer de ternir l'image de tous les Tchadiens, qu'ils soient au Canada ou aux États-Unis. Or, vous le savez très bien, le minimum de SMIG aux États-Unis, c'est 15 dollars. Tous ces individus-là ne peuvent en aucun moment courir derrière le chef de l'État pour des miettes si on les avait prévenus bien avant que le chef de l'État allait vous donner un 100 000 par jour aux États-Unis. Quand les gens travaillent une journée, ils ont le minimum de 100 000. Et tous les membres de mon ONG en ce moment qui vous parlons... Tu veux dire 100 dollars, tu veux dire? Oui, ça fait 100 000 francs. Ils ont au moins 100 dollars. OK, 100 000 francs, 200 c'est pas dollars, 100 dollars, ouais. Ça dépend. Ça dépend du type de boulot. Donc, personnellement, je ne les voyais pas en train d'aller là-bas pour les 250 dollars que le président aurait remis. Non, c'est plutôt pour exprimer légitimement et légalement leur doléance sur les conditions sociopolitiques du Tchad. C'est pour cette raison qu'ils étaient là. Et à titre de preuve, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, moi, je sais que les réseaux sociaux font de la polémique. Certains ont cherché à tirer sur moi. Je publie en avance toutes mes actions que moi, j'aurais à faire personnellement. Donc, si vous suivez mes discours, vous allez écouter que j'ai dit que je devrais rencontrer le chef de l'État quand il sera ici pour lui parler politique, stratégie, image du Tchad. Et ça, c'est depuis 2 mois que j'ai fait passer ce message-là. Et il n'y aura personne qui va vous appeler pour vous dire que non, que celui qui vous parle là était corrompu, etc. Non, parce que les faits sont sacrés et irréfutables, comme on le dit en droit et en journalisme, mon parent. Absolument, absolument. Et je t'encourage dans ce que tu fais. Mais quand tu as donc rencontré Idriss Déby, c'est bien ça? Le mercredi, nous n'avons pas été en mesure de le rencontrer. Son agenda était chargé. Et à titre personnel, comme l'agenda était ouvert le jeudi, j'étais revenu dans son hôtel où il m'a mis à la disposition de son conseiller diplomatique, de son directeur de cabinet civil qui n'est autre que son fils, l'adjoint, et son directeur de protocole qui m'ont écouté et à qui j'ai transmis les doléances pour lesquelles je devais le voir et qui ne sont autres que des doléances patriotiques, des doléances de paix, des doléances économiques et d'image du Tchad. Ouais. Parfait. Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est encore mieux parce que, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas nécessairement vrais. Les gens peuvent interpréter les choses. Alors, merci beaucoup de ces éclaircissements. Si j'ai pas une recommandation, mais ce que je te demande, peut-être parler à cette communauté, à la communauté tchadienne, parce que Déby vient apparemment chaque année à New York. Quand il va donner l'enveloppe, parce que je te l'ai dit, hein, que ce soit pour dire tu prends pour ton retour de taxi ou quoi que ce soit, c'est la corruption. C'est de la corruption. Le jour où je vais rencontrer Idriss Déby, il va me tendre l'enveloppe. Je vais lui demander pourquoi tu me donnes ça. Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi? Et je vais lui demander, tu peux remettre cela à des gens au Tchad. Je ne veux pas prendre son enveloppe. C'est sûr. Absolument. Que je vais le rencontrer, c'est sûr. J'ai fait déjà la demande pour une interview. J'ai fait la demande à sa femme pour une interview. Ça va super bien. Je suis peut-être qu'on va se rencontrer, peut-être au téléphone, peut-être dans l'une de ces voyages. Peut-être que je vais aller le rencontrer. Mais il va donner l'enveloppe. Je vais lui dire pourquoi tu me donnes l'enveloppe. Pour moi, c'est une corruption. Et absolument, il faudrait que chaque année, comme il vient, l'année prochaine, il viendra, si vous allez être là, sensibilisez-vous. Dites-lui, dites au Tchadien là, s'il va nous donner l'enveloppe, il ne faut pas qu'on prenne. Parce que c'est de la corruption. C'est de la corruption pure et simple. Donc, allez avec cette approche-là. L'année prochaine, il va venir. Peut-être que je vais aller moi aussi pour le rencontrer, pour une interview, pour lui poser des questions, s'il accepte. Mais s'il va donner l'enveloppe là, dites-lui que non. Parce que, tu le sais, hein,
Tu sais, aux États-Unis, Donald Trump, quand il voyage, il va dans les pays, là. Les Américains viennent le voir. Il ne donne pas l'enveloppe. Oui, Même. à ce niveau, moi, je vous comprends, mais je vous ai dit que ça aurait pu être un piège. Tous ceux qui étaient là n'étaient pas là pour l'argent. Et l'argent sort et surprend tout le monde. Qui peut arracher le micro pour le lui dire alors que Mais c'est ce chaque n'était pas année, l'objet de notre visite là-bas? c'est chaque année qu'il fait ça. Pareil que chaque année, il vient, chaque année, il donne de l'enveloppe. Chaque année. Donc, les gens sont habitués, ils le savent. Après, Et ça va. les Oui. récidivistes qui l'ont fait ne pourront jamais être conscientisés parce que un corrompu est un corrompu pour toujours. Peut-être ce sont des partisans du chef de l'État. Ouais. Est-ce que par rapport à leurs pratiques, les autres personnes indépendantes, comme nous, ne devrons pas aller à la rencontre du chef de l'État? Comment saurions-nous qu'on était en train de nous piéger? Voilà les questions qu'on peut encore se poser. Sinon, votre intervention est pertinente. Mais comment les autres personnes neutres et naïves qui étaient partis légitimement exprimer leur douleur au chef de l'État pourraient se débarrasser de cette pratique qui, à mon humble avis, est un piège si je devrais vous donner raison à 100%. Ah ouais. Ben merci. Rappelle-moi encore ton nom, s'il te plaît. Mon nom, c'est Dedingar Mujalbay Olivier. Parfait. Et tu es journaliste, c'est bien ça. Oui, je suis journaliste actuellement. J'ai basculé dans la diplomatie. Je fais les recherches sur la stratégie, le terrorisme, la paix et le développement durable. Je suis actuellement en mission de 2 ans aux États-Unis auprès de la mission permanente du Tchad et auprès des institutions de Bretton Woods à Washington. Ah, super. Bah, écoute, je vais bah, t'appeler plus tard et puis comme je vais souvent à New York, donc quand je vais faire un tour là-bas, je te ferai signe et puis on pourrait se voir. Mais félicitations pour le travail que tu fais et pour les explications. J'espère que c'est un peu plus clair pour beaucoup de gens. Et je te tire chapeau et continue ton excellent travail. Et bon, comme je suis avec les autres, je ne sais pas si il y a encore le temps pour qu'ils disent un mot en arabe. Ah Je oui, ne peux pas vous le mais rapide, demander. ouais, rapidement, en 5 minutes rapidement, s'il vous plaît. OK. Oui, il peut parler en arabe, oui, il n'y a pas de problème. Si, Je passe la parole. oui, l'arabe tchadien, pas l'arabe littéraire, parce que l'arabe littéraire, je connais pas, je comprends pas bien. Allô? Allô? Oui, Oui, allô? Oui, salam Oui. alaykoum. Kevalal. Ça va très bien, Alhamdoulilah. Shunu kan, tu dois être ici, aller à Mushkil Alfi, à New York, là. Aïe. Kalas, Hadji. Ok. Comme vous le savez, salam alaykoum. أنا دا نتكلم في شيء اللي حصل في السفارة التشادية يوم السيدة الأولى سيدة البلاد جات في نيويورك وفي أشياء كده حصلت وفي ناس اتكلموا كتير في الفيسبوك قالوا الناس يعني شالوا القروش وناس خاطفوا القروش وحصل أشياء زي ده وحصل إشاعات كثيرة مرة واحدة لذا قبل كل شيء نحن كشعب شادي بصفة عامة ناس كل إنسان إنسان محترم وكل إنسان مسؤول في حياته ومسؤول عن عائلته حقه عنده عائلات وعنده أولاد وكل إنسان بيشتغل على حاله لكن نحن بنحترم شيء اللي ودانا هناك في السفارة ده بيدل على أن حبنا لوطننا تشاد قبل كل شيء وحبنا لجميع المسؤولين يعني بصفة عامة من السيد الرئيس لسيدة البلاد الأولى وبنحترم كل إنسان حتى الناس اللي بيشتغلوا في السفارة نحن بنحترمهم كثير والشيء اللي حصل يعني بعد ما نحن كنا باجتماع مع سيدة البلاد السيدة هند ديبي وقدمنا لها خطاب بما يخص أن إحنا الجالية التشادية الموجودة هنا في أمريكا وخطابنا كان خطاب بناء وخطاب بما يخص مساعدة بلدنا تشاد أن إحنا ممكن نقدر نساعد بلدنا بأي طريقة يعني Okay. حتى ماديا معنويا كنا بندرس الأشياء اللي في البلاد Okay. وبعدين بعد خلص الخطاب هي ممكن أعطت هدية للشعب التشادي حاجة رمزية بسيطة جدا وبعدين في شخص ان احنا ما بنحدد اي اسم كلنا تشادين كل الناس محترمين وشخص غلط غلطه يعني ما بتتوصف وبعدين صار في مجابده في القروش
لكن ما كل ما الناس يعني هي بتجابت أن هي دايرة قروش مثلا يعني محتاجة للقروش ده ولا شيء زي ده، لا الناس بتحاول تفرق الناس وبتحاول الشخص اللي هو انفرد بالقروش دي دار تشيلها منه ودار تدين الناس المحتاجين. وفي ناس يعني بخالص حبهم لوطنهم متشات جو من بعيد، جو من كندا، جو من انديانا، جو من نيويورك، جو من نيوجيرسي، الناس دي كلها زي يعني بتقدم شكر لبلدها وبتقدم شكر للوفد الجاي من تشات، ما جاي على اساس ان هي جات دايره قروش او محتاجه للقروش. الناس كلها الحمد لله هنا يعني بتشتغل وبتساعد يعني عائلات تشات، وهنا برضو معها عائلات بتساعد يعني ما ناس محتاجه او ناس يعني زي ما الناس تصور مثلا. أوكي. ودي اشاعات انا بنشوفها يعني اشاعات طلعت في الفيسبوك وفي ناس ما فاهمين يعني ما سألوا أصلا يعني الناس ما سألت. المفروض الناس تسأل وتفهم الحاصل شنو من الناس الحضر هناك. ممكن الناس تفكر لأن الناس فيها وجوه كثيرة، في وجوه من السفارة موجودة، في وجوه ناس جات من كندا موجودة، في وجوه جات من نيويورك موجودة، في وجوه جات من إنديانا موجودة، في وجوه يعني مسؤولة كبيرة موجودة في نفس المكان. Okay. لذي يعني حاجة حصلت غلط من طرف بسيط جدا. Okay. Asa ya tu saa da kalasma kambalo quand tu doru da ya tu nafam ce que tu avais dit là je comprends un peu. Asa quand mercredi da yon mercredi al reji là tant que t'as dit, puis on va te donner encore plus de temps. L'état d'il est, tu expliquais, là, c'est qu'à l'arabe, je crois qu'on fait New York, là. Donc, il y a mercredi, là. Il y a mercredi, quand il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a 14h, ok? Mais ça, tu n'aimes. Ok? Ok. Donc, mercredi, là, on va encore revenir sur ça. Donc, les Nadi, et puis, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent parler, malheureusement, on a. C'est pas grave. Donc, mercredi, là, tu peux appeler. Donc, mais quand tu Nadi, mercredi, là, quand la Marabana, Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, littéral, là, c'est ça. T'as dit, les chiens, mon enfant, coulou. خلاص يا باترون نبدا نهجرك بكلام انا جمعنا ده ما عندي اي مشكله خلاص نهجرك بكلام عرب حقنا الاجي ده اكزاكتلي فوالا ميرسي بوكو ها خلاص يا باترون مون فري ا بيانتو ا بيانتو ميرسي Oui, merci. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre tous les appels et c'est très apprécié pour ces petites explications. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'excellent travail que l'équipe fait tous les jours et aussi... à ma femme qui intervient beaucoup, qui nous aide beaucoup, à Ren Gogor, celle qui fait notre manager. Elle fait la gestion de tout ce qu'on fait là. Il y a Michael de bureau exécutif. Aussi, les consultants qui vont bientôt intervenir aussi. Et vous qui nous envoyez des messages, des informations, des appels, merci beaucoup. Et surtout, merci à tous les citoyens. Vous qui êtes là tous les jours à nous écouter, dimanche après dimanche. Et je vois le nom de certains citoyens. Chaque dimanche, ils sont là. Chaque dimanche, ils sont là. Je donne le cas de Hassan Bourma Adam, par exemple. Il ne manque pas nos émissions. Merci beaucoup de ton temps. Merci à tout le monde d'ailleurs. Et on aura le temps de vous remercier, vous qui êtes toujours fidèles. On a la liste, hein. On voit ces gens-là. Là. C'est très apprécié. Merci beaucoup à la grande Delphine qui... nous encourage beaucoup, elle donne des informations, elle appelle, elle fait les suivis, des conseils. Merci à beaucoup, vous êtes très nombreux à nous donner des conseils, à nous donner des informations. Je ne peux pas citer tout le monde, vous êtes très 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 nombreux. Et je vous dis merci, portez-vous bien, bon dimanche. Et mercredi prochain, on va se retrouver pour le micro aux citoyens. Donc voilà, portez-vous bien et à mercredi. Au revoir.